Bon, les gars, je viens de tomber sur un commentaire sur ma vidéo d'hier que j'ai fait sur Steve Fa, pour la sortie de Steve Fa contre Samuel Eto'o, qui m'a un peu fait bizarre. Et j'ai décidé de revenir encore sur cette vidéo aujourd'hui. Alors, quelqu'un me dit, tu es jaloux de Steve Fa, tu ne seras jamais comme Steve Fa, et tu es mal placé pour parler à Steve Fa. Ce sont des commentaires comme ça qui ont poussé Steve Fa à raconter des bêtises. Bon, j'appelle ça comme ça, désolé. À dire du n'importe quoi. Hier, quand je faisais ma vidéo pour la sortie de Steve Fa, j'ai parlé beaucoup de choses en parabole. Je ne suis pas entré en profondeur. Je n'ai pas donné beaucoup de détails et je vais détailler aujourd'hui. Je suis quand même surpris qu'aujourd'hui, je ne suis plus un suiveur. Que je ne suis plus le tchinda de Steve Fa, mais je suis plutôt celui-là qui est jaloux de Steve Fa. Waouh, Facebook! C'est-à-dire que quand tu apprécies quelqu'un, tu es son tchinda. Mais quand tu critiques quelqu'un, tu deviens une fois son ennemi. Expliquez-moi un peu. Hein. Je vous ai dit que je vais détailler pour que vous compreniez bien le sens de ma vidéo, ma sortie d'hier. Expliquez-moi comment quelqu'un peut venir sur Facebook seul, sans qu'on lui demande quelque chose, nous dit, nous présenter un investissement de 500 millions qui est encore en chantier. Il dit, voilà ce que j'ai réalisé depuis un bout de temps que je suis sous silencieux, vous ne me voyez plus. Voilà où j'étais concentré. Ça m'a coûté 500 millions. On applaudit. Après, on voit encore une autre image. Il dit, j'ai besoin d'aide du président de la République de 80 millions. On ne sait pas si le président de la République l'avait donné ou pas. Mais ce qu'on sait quand même, c'est qu'il nous a présenté le chantier fini. C'est-à-dire que si nous présentons le chantier, c'était encore en chantier, excusez pour la tautologie, à 500 millions. C'est-à-dire que si le chantier est fini, ça doit être dans les 800 millions. On applaudit. Waouh, c'est bien. Mais ce que je ne comprends pas, comment un grand qui nous a présenté un chantier de 800 millions, qu'on disait que waouh, on va faire comment pour être comme un grand si on est en train de se battre, de batailler pour être un jour comme lui, ou bien faire même la moitié, ou même le 1/8. Le grand frère revient encore un matin, se rabaisser, devient petit, en nous faisant comprendre qu'il avait un problème de 5 millions. Samuel Eto'o a refusé de l'aider. Bon, vous-même, vous voulez que moi, ça sonne comment dans mes oreilles? Que tu as investi 800 millions. Et on sait que tu es dans les avions, chaque jour, pays, Canada, États-Unis, France, machin. Tu n'as pas faim. Et tu te plains qu'on ne t'a pas aidé. 5 millions. Je dis, hé, tonton. Plus loin, il nous dit que à chaque fois qu'il venait en aide à Samuel Eto'o, Samuel Eto'o voulait lui faire un geste. Agent de beignet, agent de petit, mais les petites. Le gars dit, tonton, j'ai pas besoin. Alors, quand toi-même, tu as présenté un investissement de 800 millions, je dis, parce que tu as parlé de 500 millions, c'est moi qui estime, comme aujourd'hui c'est fini, c'est dans 800 millions. Et que le même Eto'o a vu, il dit, waouh, ça c'est un bon petit, il se bat bien. Quand il veut un peu te donner quelques miettes pour t'encourager par rapport au service que tu leur rends, tu dis non, grand, ça va. Et tu montres Eto'o que tu n'as pas faim. Eto'o vous aussi, ton investissement comprend que ça c'est un bon petit. Et je ne savais pas qu'il y avait des Camerounais comme ça. Tous les jours, tu es dans les avions, tu le rencontres dans les avions, comme tu dis. Ce n'est pas lui qui paye ton billet d'avion. Il comprend que tu es un voyageur, tu n'as pas faim. Tu te plains encore comme un engrais pour 5 millions. Lui-même, il comprend que même s'il te donne 100 millions, même 50 millions, c'est rien pour toi. Surtout que toi-même, tu nous as dit que tu avais refusé ou c'est combien de millions de jeux au hasard. Parce que tu voulais prouver que non, tu n'as pas faim. On comprend seulement tous. C'est toi qui viens nous dire. Même dans une vidéo, tu nous avais dit. Je ne dis pas que j'ai entendu. Je suis ton fan numéro un. Je suis tout ce que tu fais. J'avais déjà dit ça depuis. Tu avais dit dans une vidéo que tu es déjà au rang de Samuel Eto'o. Tu ne vis plus rien à Samuel Eto'o. C'est toi qui as dit dans la vidéo. Hein? Allez regarder les archives. Moi, je vais un peu vous parler un peu comme papa Richard Bona. Allez regarder les archives. Lui, il a dit que il n'en vit plus rien à Samuel Eto'o parce qu'il est au rang de Samuel Eto'o. Maintenant, tu veux qu'on te regarde comment quand tu viens nous dire que problème de 5 millions. On va te regarder comment Stevie. Bon, maintenant,
J'ai vu certains dire que une promesse n'est pas une dette. Ils n'étaient pas obligés. Non. Hey. Une promesse est une dette, mon frère. Si tu me promets quelque chose, hey, c'est ce que tu me dois. Je vais te... Hey. Quelqu'un essaie un jour de m'appeler, me promet. Je vais t'appeler. Je vais te mettre la pression. Hey. Si je savais, je ne vais pas promettre ça à ce petit. Donc maintenant, il te fait une promesse. Première promesse. Ça passe, tu ne lui fais pas signe. Si lui-même, il s'est même rappelé et tu n'as pas fait signe encore après, il se dit que ah, peut-être ma promesse ne t'a pas intéressé. Bon, peut-être tu as trouvé ça trop petit. C'est pour cette raison que tu n'as pu relancer. Parfois, les grands frères là sont comme ça. Hein. Même quand on était à l'école là, le grand frère paye ta pension comme ça là. Il sait que c'est lui qui paye ta pension. Et il sait en quelle période on chasse ses enfants. Mais il ne fait pas de signe. Si tu n'appelles pas pour que grand, je suis dehors. Il ne va pas envoyer la pension. L'année va finir, on ne va pas rien, il ne va rien faire. Pourtant, lui, il sait que c'est lui qui paye ta pension. Donc, c'est toi qui dois le relancer chaque fois que grand. Parce que les grands là aiment ça. Quand on les appelle que grand, tu te rappelles de ce que tu avais dit là, tu ne fais pas. Deuxième promesse, tu ne le relances pas. Bon, ce que je vais dire, c'est que Samuel et toi, tu dois deux promesses à Steve. Donc, je ne sais pas si tu vas voyager avec Steve pour aller faire ce que tu avais dit avec Lionel Messi et Ronaldo. Bon, le Qatar est fini. Il y a la prochaine Coupe du Monde. Ou bien tu vas l'amener seulement au Maroc pour la Coupe d'Afrique. À toi de voir. Donc, on sait que tu dois actuellement Steve deux promesses. Et nous, on attend la réalisation là. Pour chuter dans ma vidéo, pour ceux qui pensent que je fais certaines sorties parce que je suis un mendiant ou bien parce que je suis un tchinda. Non, quand j'ai ma chose à dire, je dis. Hier, quand je soutenais Steve par rapport à certaines sorties que moi j'avais trouvé bien, vous avez dit que je suis un suiveur, je suis un tchinda, je demande à manger à Steve et tout. Non. La période où Samuel Eto'o battait sa campagne, là, je n'étais pas disponible. Sinon, moi, je devais être à Tinga. Tant que couvrir un événement, je devais être à Tinga, je devais chanter. Pas pour que Samuel Eto'o me donne quelque chose. Non. Je fais ce que moi je pense. Plusieurs événements comme ça, j'ai rencontré Samuel Eto'o, qu'ils soient que couvrir les grands événements, c'est voir Samuel Eto'o. Face à moi, ma caméra, même Samuel Eto'o. Même le bonjour ne dit pas Eto'o. Pas parce que j'ai un problème avec Eto'o. Pas parce que je me suffis. Mais parce que je ne veux pas aussi montrer à Samuel Eto'o que voilà. Non. C'est pas pour dire que si Samuel Eto'o m'appelle pour m'encourager à quoi que ce soit, je vais refuser. Mais dis que le voir courir comme tu vois passer. Parfois, je filme les événements. On voit Samuel Eto'o. Des gens où ils font comme s'ils veulent seulement mourir parce qu'ils ont vu Samuel Eto'o. Moi, je ne fais pas ça. Désolé. Pas parce que je suis trop grand. Pas parce que je me suffis. Non. Donc, je ne fais pas ma vidéo parce que j'attends que quelqu'un m'appelle pour me donner un miette, machin. Non! Quand j'ai ma chose à dire, je dis. Et je ne suis pas, moi, un détracteur de Steve ou de qui que ce soit. Je donne juste mon point de vue. J'analyse juste les faits. Ceux qui nous retrouvent sur Facebook, on donne juste notre opinion. C'est tout! Donc, à vous maintenant le clavier. Comme vous êtes trop fort pour insulter, pour dire du n'importe quoi, à vous le clavier. C'était le général Franco. Stevie.